Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur Internet. Bonjour, je suis Kevin, conseiller ski chez Glisshop.com. Je vais vous parler de la gamme Armada, donc avec un créneau freestyle, freestyle backcountry et un petit polyvalent aussi entre les deux pour faire la transition. Donc pour commencer notre présentation de gamme, j'attaque avec le L-Ray, ici en 178, 87 au patin, donc on est déjà sur un freestyle polyvalent, ce qui quand même avec un minimum de portance au niveau du patin. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on est sur un ski vraiment facile d'accès, qui passe bien en snowpark. On a vraiment quelque chose d'assez joueur sous le pied, les extrémités sont assez souples, on a une bonne répartition du flex. Voilà, un vrai ski passe partout pour la personne qui fait du parc et qui fait aussi de la piste, qui skie plus tranquillement. Je continue sur le créneau freestyle avec ici le R7, c'est un petit peu le fer de lance de cette gamme. Un ski ici en 171, 85 au patin, 86 ou 87 selon les tailles. Un ski en champ droit au niveau du patin, alternance champ droit champ cap exactement, ce qui lui permet d'avoir une super accroche aussi sur piste. Donc c'est un ski vraiment polyvalent, il passe bien sur piste, on arrive aussi à passer en bord de piste et c'est un ski qui marche très très fort en parc. Je continue avec le T-Hall. Le T-Hall, c'est exactement le même ski que le R7, avec juste un petit peu plus de souplesse en spatule. L'intérêt, c'est qu'il garde plus de skiabilité, une meilleure skiabilité en switch. Voilà, c'est un ski un petit peu plus typé, freestyle, vraiment pur parc. J'enchaîne avec un autre pro modèle, le Aldente, donc le pro modèle à Henri Carlo. On est sur un ski qui avoisine les 100 mm au patin, en double rocker, rocker spatule, rocker talon. Voilà, bon, c'est un vrai freestyle polyvalent. Après, vous avez pu voir ce que Arlo en fait en parc aussi avec ses doubles et triples nose butter. Donc c'est un ski vraiment joueur en parc, qui passe vraiment bien sur tout type de neige. Voilà, avec des extrémités relativement souples qui lui permet vraiment d'avoir une super jouabilité en parc. Ici, le ARVTI, donc c'est exactement le même ski que le Aldente, avec une plaque de titane à l'intérieur en plus, ce qui lui confère plus d'accroche, un comportement un peu plus sportif, c'est un peu plus exigeant physiquement forcément. Toujours en double rocker, avec toujours quasiment ses 100 mm au patin. Un vrai freestyle polyvalent. Le TST, le seul ski polyvalent un petit peu dans toute cette gamme, en talon plat. Voilà, donc là, on est vraiment sur un ski directionnel. J'intègre également un gros rocker en spatule, ce qui lui permet vraiment d'avoir un maximum de portance sur l'avant du ski. Renfort champ droit au niveau du patin pour garder vraiment une bonne accroche sous le pied. Voilà, c'est un ski vraiment passe-partout avec lequel vous pourrez vraiment vous éclater en puff. Le Magic J, l'autre pro modèle à Tanner Hall, double rocker, rocker spatule et talon. Voilà, on est vraiment sur un créneau freestyle backcountry avec un ski qui avoisine les 126 mm au patin, renforcé champ droit également pour garder quand même un petit peu d'accroche sur neige dure. Un vrai ski de poudre pour se mettre la tête en bas. Je vous ai présenté la gamme Armada avec du freestyle backcountry, du polyvalent. Une gamme vraiment large, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail, l'adresse ski@glisshop.com ou éventuellement la mienne, kevin@glisshop.com ou par téléphone au 04 73 26 98 47. Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur Internet.